Bonsoir chers amis, bienvenue à votre moment détente du jeudi soir. Jeudi soir où nous partageons autour d'œuvres littéraires, autour de livres, mais également nous partageons des astuces, nous partageons des moments privilégiés en parlant d'œnologie, en parlant de ce qui nous passionne. Après avoir entamé la semaine passée l'œuvre de William Combary, ce soir, nous allons lire quelques lignes, quelques pages, que dis-je, de cette belle œuvre de Marc Lévy, 7 jours pour une éternité. 7 jours pour une éternité, cette belle œuvre de Marc Lévy autour de laquelle nous allons partager ce soir. Marc Lévy qui a commencé à écrire à partir des années 2000. Son premier roman est paru en 2000, intitulé Et si c'était vrai, et qui depuis ne cesse de nous sortir des œuvres aussi belles les unes que les autres. Ce soir, nous allons lire les toutes premières pages de cette belle œuvre, en commençant par le tout début naturellement, qui commence ainsi. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin. L'œuvre elle-même commence donc, premier jour. Allongé sur son lit, Lucas regarda la petite diode de son beeper qui clignotait frénétiquement. Il referma son livre et le posa juste à côté de lui, ravi. C'était la troisième fois en 48 heures qu'il relisait cette histoire, et de mémoire d'enfer, aucune lecture ne l'avait autant régalé. Il caressa la couverture du bout du doigt. Ce dénommé Hilton était en passe de devenir son auteur culte. Il reprit l'ouvrage en main. Bien heureux qu'un client l'ait oublié dans le tiroir de la table de nuit de cette chambre d'hôtel, et le lança d'un geste assuré dans la valise ouverte à l'autre bout de la pièce. Il regarda la pendulette, s'étira et quitta le lit. Allez, lève-toi et marche, dit-il enjoué. Face au miroir de l'armoire, il resserra le nœud de sa cravate, ajusta la veste de son costume noir, reprit ses lunettes de soleil sur le petit guéridon près de la télévision et les rangea dans la poche haute de son complet. Le beeper attaché au passant de la ceinture de son pantalon ne cessait de vibrer. Il repoussa du pied la porte de l'unique placard et se dirigea vers la fenêtre. Il écarta le voile grisâtre et immobile pour étudier la cour intérieure. Aucune brise ne viendrait chasser la pollution qui envahissait le bas de Manhattan et s'étendait jusqu'aux limites de Tribe Key. La journée serait caniculaire. Lucas adorait le soleil. Et qui mieux que lui savait combien il était nocif? Sur les terres de sécheresse, n'autorisait-il pas la prolifération de toutes sortes de germes et de bactéries? N'était-il pas plus intraitable que la grande faucheuse pour trier les faibles des forts? Et la lumière fut, fredonna-t-il en décrochant le téléphone. Il demanda à la réception que l'on prépare sa note. Son voyage à New York venait d'être écourté, puis il quitta la chambre. Au bout du couloir, il déconnecta l'alarme de la porte qui s'ouvrait sur l'escalier de secours. Arrivé dans la courette, il récupéra le livre avant de se délester de sa valise dans un grand conteneur à ordures et s'engagea d'un pas léger dans la ruelle. Dans la petite rue de Soho, au pavé disjoint, Lucas guettait d'un œil gourmand un balconnet en fer forgé qui ne résistait plus à la tentation de s'effondrer que par la grâce de 2 rivets mouillés. Le locataire du 3e étage, jeune mannequin au sein trop bien sculpté, au ventre insolent et aux lèvres pulpeuses,
était venu s'installer dans sa chaise longue, ne se doutant de rien, et c'était parfait ainsi. Dans quelques minutes, si sa vue ne le trompait pas, et elle ne le trompait jamais, les rivets céderaient. La ravissante se retrouverait alors trois étages en contrebas, le corps disloqué. Le sang qui s'écoulerait de son oreille entre les interstices des pavés soulignerait la terreur peinte sur son visage. Son joli minois resterait ainsi figé jusqu'à ce qu'il se décompose dans une boîte en sapin où la famille de la demoiselle l'aurait enfermé avant de larguer le tout sous une dalle de marbre et quelques litres de larmes inutiles. Alors, rien du tout qui ferait au plus quatre lignes mal rédigées dans le journal du quartier, écouterait un procès au gérant de l'immeuble. Un responsable technique de la mairie perdrait son emploi, il faut toujours un coupable. Un de ses supérieurs enterrerait l'affaire en concluant que l'accident aurait tourné au drame si des passants s'étaient trouvés sous le balconnet. Comme quoi, il y avait un dieu sur cette terre. Et finalement, c'était bien là le vrai problème de Lucas. La journée aurait pu parfaitement bien commencer si à l'intérieur de cet appartement coquet, un téléphone n'avait sonné et si l'idiote qui l'occupait n'avait laissé son portable dans sa salle de bain. La stupide tête de Linotte se leva pour aller le chercher. Décidément, il y avait plus de mémoire dans un Mac que dans la cervelle d'un mannequin, se dit Lucas, déçu. Lucas serra les dents et ses mâchoires grincèrent comme celles du camion d'ordures qui descendait vers lui, faisant trembler la rue sur son passage. Dans un claquement sec et franc, l'assemblage métallique s'arracha de la façade et dégringola. À l'étage inférieur, une fenêtre explosa, pulvérisé par un morceau de la rambarde. Un gigantesque mikado de poutrelles de fer rouillé, habitation troglodyte de colonies de bacilles de tétanos, s'abattait sur le pavé. L'œil de Lucas s'éclaira à nouveau. Un longeron de métal aiguisé filait vers le sol à une vitesse vertigineuse. Si ses calculs immédiats se révélaient justes, et il l'était toujours, rien n'était perdu. Il s'engagea nonchalamment sur la chaussée, forçant le conducteur de la benne à ralentir. La poutrelle traversa la cabine de la benne à ordures et vint se ficher dans le thorax du chauffeur. Le camion fit une terrible embardée. Les deux éboueurs juchés sur la plateforme arrière n'eurent pas le temps de crier. L'un fut happé par la gueule béante de la benne et aussitôt broyé par les mandibules qui officiaient, imperturbable. L'autre fut projeté au devant et glissa inerte sur le macadam. L'essieu avant passa sur sa jambe. Dans sa course, le Dodge percuta un réverbère qui l'expédia en l'air. Les fils électriques, désormais dénudés, eurent la bonne idée de frétiller jusqu'au caniveau gorgé d'eau sale. Une gerbe d'étincelles annonça le formidable court-circuit qui affecta tout le pâté de maison. Dans le quartier, les feux de croisement se mirent en berne, aussi noirs que le complet de Lucas. Au loin, on pouvait déjà entendre les fracas des premières collisions au carrefour abandonné à eux-mêmes. À l'intersection de Crosby Street et de Spring, le choc de la benne folle et d'un taxi jaune fut inévitable. Heurté par le travers, le Yellow Cab vint s'encrastrer dans la devanture de la boutique du musée d'art moderne. Une compression de plus pour la vitrine, murmura Lucas. L'essieu avant du camion escalada une voiture en stationnement. Les optiques, désormais aveugles, pointaient vers le ciel. La lourde benne se tordit dans un bruit de tôle déchiré, avant de se coucher sur le flanc. Les tonnes de détritus qu'il contenait dégueulèrent de ses entrailles et la chaussée se couvrit d'un tapis
d'immondices. Au vacarme du drame consommé succéda un silence de mort. Le soleil continuait tranquillement sa course vers le zénith. La chaleur de ses rayons aurait vite fait de rendre l'atmosphère du quartier pestilentielle. Lucas ajusta le col de sa chemise. Il avait une sainte horreur que les pans dépassent de son veston. Il contempla l'étendue du désastre tout autour de lui. Il était à peine 9 heures à sa montre. Et finalement, c'était une très belle journée qui commençait. La tête du chauffeur de taxi reposait sur le volant, actionnant le klaxon qui résonnait à l'unisson de la corne des remorqueurs dans le port de New York, un endroit si joli quand il faisait beau, comme en ce dimanche de fin d'automne. Lucas s'y rendait. De là, un hélicoptère le déposerait à l'aéroport de La Guardia. Son avion décollait dans 66 minutes. Chers amis, nous voici rendus au terme de notre lecture de ce soir. Les premières pages de ce livre de Marc Lévy, 7 jours pour une éternité. Un livre qui nous parle de deux personnages, Lucas et Sophia, qui ont 7 jours sur Terre pour faire triompher soit le bien, soit le mal. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment de détente avec nous ce soir. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à la même heure pour votre moment de détente du jeudi soir. Portez-vous bien et à très bientôt.